Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa. Oh yes, we worship you, Jesus. Thank you. Masho brodi alabala. In Jesus' name. Amen. Là où tu es, c'est comme si tu étais ensemble avec nous ici. Parce que la présence de Dieu qui est ici est là-bas aussi. Parce que Dieu est omniprésent. Alléluia. A holy sanctuary. Pioranou. Tried and true, with thanksgiving, I be a living sanctuary for you. Lord, prepare me a holy sanctuary, pure and holy. Tried and true, with thanksgiving, Lord, I be a living sanctuary for you. With thanksgiving, let me be a living sanctuary. Be a living sanctuary for you. I worship you, Almighty God, Almighty God. There is none like you. Worship you, O Prince of Peace, O Prince of Peace. That is all I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Worship you, Almighty God, Almighty God. There is none like you. Mon cœur t'adore. Oh Dieu puissant, oh Dieu puissant. Comme toi, mon cœur t'adore. Auprès de paix, c'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié.
Je t'adore, oh Dieu puissant, oh Dieu puissant, nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi. Oya kuko ina yo azalite. Mususu lokola yo azalite. Personne n'est comparable à toi. Mokonzi na biso. Notre chef. Elonga na biso na ekolusu. Notre victoire à la croix. Mwinda ya mokili. La lumière du monde. Tokumbambeli yo. Nous nous humilions devant toi. Esengo na biso. Notre joie. Yonde esengo ya mokili oyo. La joie du monde. On peut avoir tout. Mais sans toi, mais ce qui était, il n'y aura pas de joie. C'est toi la paix que le monde cherche. Mais ils ne savent. Notre paix. Ma commis bengio le prince de paix. Amen. Les écritures saintes t'appellent Mokonzi Akimia. Nakati na yonde tozana kimia. C'est en toi que nous trouvons le banda na yo kimia ezate. En dehors de toi pas de paix. Parce qu'en toi. Oui, de kati na yo. Nous vivons. Toza kobika. Nous mouvons. Toza ningana. Et nous avons notre être. Nous nous humilions devant toi, Père. Nous nous humilions, Seigneur. Créateur de toutes choses. Chef de toutes choses. Merci pour tout. Matondo pour nyonso. Merci. Matondi. Tel que nous commençons ce matin. Lobé la biso. Adresse-toi à nous. Simba biso. Touche-nous. Et nous jurons te rendre toute la gloire. Na kombo, na au nom de Jésus-Christ. Na pesibino mbote, na dimanche ya tongo alelo. Je vous salue ce dimanche matin. Zami nanga pambola bino. Que mon Dieu vous bénisse où vous êtes. Et kimia ya Yesu Masie za la partage na yo. Et que la paix du Christ soit votre partage. Na kombo, na Yesu au nom de Jésus-Christ. Bandeko. Bien-aimé. Na lingi na ebisa yo. J'aimerais te dire, Mokili ezo changé. Le monde est en train de basculer. Makambo ezo changé na denge yo o mesana ki devo obotami. Le monde est en train de basculer à une vitesse que nous ne pouvons pas nous attendre. Yonso ezo landa liloba ya zambe oyo ekomaki. Amen. Tous ces changements suivent à la vitesse de la prophétie. À la lettre kaka denge ekomamaki. Toutes ces choses. Suivre la vitesse de la prophétie à la lettre. Et singeli ezongisa makanisi na biso na sima. Amen. Cela doit nous ramener dans notre façon de réfléchir. Toyeba ke il y a un Dieu. Pour que nous sachions que Nzambe moko. Et ce Dieu là est vivant. Et c'est Dieu là Nzambe wana. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment on a Jésus-Christ de Nazareth. Oyo babengi Emmanuel. C'est lui qu'on appelle Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Nzambe katina bato. Yesu alobi. Tout ce qu'il dit. Ezo kokisama jusqu'à la lettre. Ça s'accomplit tous les jours. Parfois ce qui n'a moni. Des fois comment je vois. Le lingi liloba Nzambe ezo kokisama. Tel que sa parole s'accomplit. Et bangi sakanga. Ça m'effraie. Yango esengeli. Voilà pourquoi ça demande. Selon thème nabiso. Suivant notre thème. Examination de soi-même. Notre thème du mois. Nous continuons encore ce dimanche matin. Totangi vasinabiso principal de Corinthiens chapitre 13. Chapitre 13. Yes. Et verset 5. Nous revenons dans notre écriture de base de Corinthiens chapitre 13, le 5e verset. De Corinthiens chapitre 13 verset 5, nous lisons la version Darby. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Alléluia. Amen. Examinez-vous vous-même. Faites votre propre critique. Mi critique yo moko. Bandeko, bien-aimé, tant
tango tozolo ba, examinez-vous vous-même, tozolo ba, sala constat ya vie na yo. Amen. Lorsque l'homme de Dieu parle de l'examination de soi, c'est faire le constat de ta propre vie. Ou bien faire un check-up. Hein? Mitala penza malamu loko de toi-même. Na hôpital ya yo moko. Ou bien introspection. To introspection. Komi zonga na kati na yo. Nous verrons dans les écritures. Ceux qui avaient agi, ils avaient sauvé leur vie. Je prie. Amen. Toi aussi tu sauveras ta vie et ta destinée. Nous sommes des humains. Même si tu es pasteur. Ce n'est pas parce que tu es pasteur. Élection. C'est juste le choix de Dieu sur toi. L'élection de Dieu sur toi. Yango esengeli à chaque instant. Yango anatango natango. O vandi. Tu te mets. O misongi nakati. Tu reviens en toi. Est-ce que nazana no nanzela. Suis-je sur le droit chemin? Ou bien. To. Nasina bongi nzela. Natenga mi déjà, je suis à côté. Vasion makoto tangi de Raymond Akiot na biso en ligne live alobi fait quelque chose. Amen. Sala eloko moko. Bozonga na nzela soko ibubunga. Alléluia. Amen. À cause ya manque de examination de soi-même et belé ba dérouté libela na libela. Par manque d'examination ou de check-up de soi-même, plusieurs ont été détournés de la parole de Dieu. Parce que le diable a dit kakate, il est écrit asa comme un lion qui rôde par-ci par-là. Il cherche qui a dévoré. Surtout dans Gonga Oyo, il est une attaque au réseau Wouta dans le monde des ténèbres contre l'église de Yesu Masia Awanase. Surtout que notre ennemi, le diable, il rôde. La Bible dit il rôde comme un lion rugissant. Et plus dans ces temps où nous sommes, il y a tout un arsenal de démons contre nous. Bitumba et telemi konde corps de Christ. Mais corps de Christ, bazo nimba, bazo lala pongi. Batu e pele, bazo ibateke. Tout ce qui se passe actuellement dans notre monde aujourd'hui, c'est la guerre entre ténèbres et la lumière. Bien-aimés, je voudrais vous rappeler que nous sommes combattus. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est juste un combat contre l'Église de Jésus-Christ. Mais tango okoyako sosola, ça sera déjà trop tard. Malheureusement, plusieurs sont en train de s'endormir et lorsqu'ils vont s'en rendre compte, ce sera tard. Naibsi bananabi ngonga ya liberté des hommes. J'ai parlé à mes disciples en leur disant que le temps où les hommes étaient libres est révolu. Comme un gongaya totalitarien contrôle. C'est maintenant le temps du contrôle total sur les hommes. Et tout cela est en train d'accomplir, yes, tout ce qui a été prophétisé. Amen. Dans sa parole. Peignosoana est accompagné d'un cas caché. Je vois tous les jours Ephésiens 6 verset 12 et sous Kokisama que nous ne combattrons pas contre la chair et le sang mais contre les principautés et le pouvoir et dans les ténèbres qui voulait contrôler et régir notre monde. Amen. C'est tous les jours que je vois l'accomplissement de Ephésiens chapitre 6 verset 12 qui dit que nous ne combattons pas contre la chair mais contre les puissances qui veulent contrôler les régions. Église, vous dormez encore. Église, Ozola la gaga tisikoyo. Ephésiens lobi, réveille-toi. Ephésiens dit la mouka. Toi qui dors. Réveille-toi. La mouka. Parce que les temps sont mauvais. Voilà pourquoi Dieu crie dans sa parole que mon peuple sont détruits. Faut de la connaissance. Il y a des qu'est-ce qui se passe? Il ne connaît pas ni gauche ni droite. Voilà pourquoi Dieu a dit dans le cadre de l'obanaye que batunanga baza koku fapote bazangi maye bazo yebate lokonizo de kananga mutonga mumususu. Alléluia. Amen. Lamentation chapitre 3.
Examinez-vous vous-même. Mitala penza yomoko. Tout en gagne lamentation. Chapitre 3, verset 40 et 41. Le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 40 et 41. Version Darby. Recherchons nos voies, escrutons-les et retournons jusqu'à l'Éternel. Verset 41. Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les cieux. Alléluia. Amen. Version Semeur. Et Lamentations chapitre 3 verset 40. Considérons notre conduite et examinons-la. Puis revenons à l'Éternel. Voilà. 41. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Alléluia. Amen. Yoka version parole de vie na katia méditation na ngai na tangi. Version parole de vie dans ma méditation j'avais lu. Alobi. Examinons à fond notre conduite et revenons au Seigneur. Examinons à fond notre conduite et revenons au Seigneur. Seigneur. Alléluia. Amen. De même, considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Amen. Ce qui te sali, examination de soi-même te. Si nous ne n'examinons pas nous-mêmes, te sali autocritique te. Il y a vie na biso. L'autocritique de nos vies. Ndeko. Bien-aimé. Kobunga yonso yangoana. C'est là que tu te perds. Na sepeli alobi, considérons. Total. Notre conduite. Et ta bonne biso. Et examinons-la. Mais total on malam malam. Puis revenons à la examination de soi-même et que ça l'a été au son gananzela. La conséquence de l'examination de soi, c'est de retourner à Dieu. Voilà quoi beaucoup n'angonga tozali oyo babungi. Talatina mingi na tant tozali ils sont perdus. Mais là où ozo sala autocritique ya conduite na yo ya vie na yo chaque jour singa ya molimo santu ekubanda ko zongisa yo. Amen. Là où tu fais l'autocritique tout le jour de ta vie spirituelle chrétienne, le fil du Saint-Esprit te ramènera à Dieu. Alléluia. Amen. So, le mot examination est en quelque sorte, on dit considération. Oso considérer cela na yo. Oso tala. Est-ce que nazo tambola denge singeli ou pas? Parce que projet ya ennemi eza ko boma kondima ya banza na zambe et ko kitisa bolingo ya zambe na kati ya mutema na mangu. Le mot considération vont la le mot examination vont la simuler à la considération. Pourquoi? Parce que le diable en ce moment cherche à tuer la foi, l'amour d'enfant de Dieu pour Dieu. Yoka version français courant à lobby. Examinons de près notre conduite et revenons au Seigneur. Prions de tout notre cœur en levant les mains vers Dieu qui est dans les cieux. Examinons de près notre conduite. Qui va faire toi-même? Nani ako sala ngo yo moko. Kota la pene pene penda etamboli na yo. Mutu yo soza na droit à l'erreur. Tout le monde a droit à l'erreur. Mais ce qui est au coup dans la catégorie sans qu'il y ait la cima est commis dangereux. Mais si tu demeures dans la bêtise sans regarder derrière et revenir, il n'a plus de salut. Là, c'est pitoyable. Examinons de près notre conduite. Considère, est-ce que Osako Tambola ou bien aussi. Considère-toi si tu es dans la voie de Dieu ou bien tu es perdu. Bandeko. Bien-aimé. Après la vie ici-bas, il y a la vie éternelle. Amen. Sache-le, après la vie terrestre, il y a une vie céleste, une vie éternelle. Et c'est ça. Yangonde. La cause. Sina. Ya bitumba ya suka ozo mona oyo. C'est la cause de la bataille de la fin des temps.
surtout tango bakotie mark douana oyo liloba zambe alobi bakotie na maboko mark de la bête ezapo ebele bakufa surtout à l'avènement de la marque de la bête et pour égarer tuer plusieurs l'amant éternel liwa ya seko na seko. C'est clair que ne otanga bible na yo va lire ta bible apocalypse. Apocalypse. Que nous tanga chapitre 13, verset 16, 17, 18 et Apocalypse 14, verset 9 à 12. C'est clair, bien dit. Et le mami, pour l'aile. Apocalypse 14, 9 à 12. Allons bien, go, sort. Il y a battu un sur Bakozango. Et objectif, il y a Satana. Pour ne l'okoana, Ezake a éliminé. Nazoloba, aboba. La plus. Population mondiale. L'Apocalypse chapitre 14 nous dit le sort de ceux qui vont avoir la marque de la bête. Et le but du diable, c'est d'amener plusieurs en enfer, les tuer. Aïe, quoi, ça, Adam, na Eve, ce qui. Aïe, si, Eve, ce qui au lien, fruit, oyo. Et comme ça, yo, maïele. Ako, like, ça, yo, avantage. Mais, ako, bombe, la yo. Désavantage. Qui est plus grave. Yemen. Tango. Eve a meki kolé a pesi mobali na Adam bakufi. De même na tango asuka oyo mutu akuzwa mako wana pe liwa. Le diable était venu au commencement et a séduit Eve en la montrant le bon côté de manger ses fruits. C'est ce qu'il fait aussi aujourd'hui. Eve était morte et ceux qui vont prendre la marque mourront aussi. Liwa selon Apocalypse 14, verset 9 à 12. Liwa. La mort éternelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait montrer avancement technologie. Le diable te montre la technologie. Qui est mona. Azo bini sayo na elongi na misu na mayele. Non. C'est pas ça. Ayebi place à Zokene. Il sait où il amène. L'homme n'aura plus sa liberté. Qui voulait contrôler et régir notre monde. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Osana a besoin de obakisa olongola. Clairement, kaka dengi alobi. Contrôler et régir. La parole de Dieu se consomme crue. Quand on est au Zoyo, c'est comme ça que la parole. De principauté. Bakonzi. De pouvoir dans le ténèbre. Bangouye et Molili. Voilà. Nous sommes là. Tozawana na tango. Face à face. Tozota la bango na misu. À cette guerre. Nakati et Tumba oyo. Entre ténèbres et lumière. Y a Paulé. Mais ceux qui sont nés de Dieu, amen. Il est écrit, ils sont victorieux du monde. La lumière. Polé. Et maître. Et Zamokosi, Yamolili. Zali Kolo, Yamolili. Examinons de près. Notre conduite. Et Tamolina Bisso. Sala constat. Fais un constat. Introspection. Introspecte-toi. Ni interroger. Interroge-toi. Pour ekosalake ozongela. Nzela malam. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Pas de chemin. Je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a que lui, amen. Le chemin. Ce questionnement de ta propre personne t'aidera à revenir à Dieu. Parce que Jésus a dit, je suis le seul chemin, pas plusieurs chemins, qui revient à Dieu. Version Lingala Lelo, Lamentation 3 à partir à verset 40. Total amalamu penza bizaleli na biso. Total amalamu penza bizaleli na biso. Parce que belé bizaleli ya kibozambe ekufa ezali susute ekomi zéro à cause ya manque de communion fraternelle oyo pendant tous ces 3-4 mois. Regardons notre conduite parce que plusieurs leur conduite a été détruite à cause de ces confinements de 4 mois. Je pense que maintenant, Banazambe Basosoli, maintenant, Tina, na valeur, il y a communion fraternelle. Où tu sais qu'à ta 3 fois par semaine, mercredi, vendredi, dimanche, où tu as une valeur na yango sikoyo. Plusieurs maintenant me donneront raison de la valeur de la communion fraternelle. Où tu as une bonne année, parole à Zambé Alobi, ne kokozangate. Yes. Na rassemblement ya basantu. Amen. Pona nintango yon soutou sangani ensemble.
Oye, obimi na force. Amen. De force en force, de gloire en gloire. Amen. Plusieurs comprendront l'importance, la quintessence de cette parole qui dit ne manquez pas au renseignement des saints. Quand nous venons faibles, nous rentrons forts. Continue, papa. Tout à la malamu penza bisaleli na biso. Oui. Petozonga et paya Yahweh. Quand tu fais ces constats, aujourd'hui examiné, il t'examine, autocritique, et que ça la que, ça fera ce que tu reviennes à Dieu. Tina yangoana, c'est ça le but. Yango sansoye, ça sansa yanini, examination de soi-même. C'est ainsi que ce mois est dénommé notre mois d'examination de soi-même. Moi, y a commis tel à Yomoko. Avant, on a compté dans ma sujet, il fallait qu'à Ganassi, sa parole prophétique, y a sans aoué. Avant, on est bâti dans Néni, examination de soi-même. Yango et Zoïka. Avant d'aborder d'autres sujets, il fallait que je finisse ces paroles prophétiques. Lamentation, chapitre 3, verset 40. Merci. Version message. Merci. Regardons bien la façon dont nous vivons. Oh yes, regardons bien la façon dont nous vivons. Qui va regarder? Toi-même. Regardons bien la façon dont nous vivons et réorganisons nos vies avec Dieu. Yo, merci papa. Et réorganiser. Ozo regarder te, ozo ça la constater, ozo ça autocritique, oko réorganiser des gens. Mais tant que monique, awa, ezama la mute, qu'est-ce que tu vas faire? Oko ça la réorganisation, oko bongisa. Yangunde ko ça la ke ozonge la kolo. Lorsque tu fais l'autocritique, c'est là que tu pourras savoir que tu ne te conduis pas bien et tu pourras réorganiser ta conduite. Ce que je dis ici, Eza. Style de vie et singeli pour la moine en Zambé Yonso. Ce que je suis en train de prêcher ce matin, ce dimanche matin, c'est essentiel pour tout enfant de Dieu. Pour la moine en Zambé Yonso. Tout enfant de Dieu. Oh, Simba Mikro, Simba Mikro, que tu sois pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète. Et Talib Soyonso. Diacre, diaconesse, ça nous concerne tous. Examination de soi-même. L'examination de soi-même. Zamba pêche au micro te pour osa zéro faute. Amen. Dieu ne t'a pas appelé au ministère parce que tu es osa net mutu yonso. Tu es humain. Il faut battre zban zamba iba le koan. Les hommes, les enfants de Dieu doivent savoir cette. Au moment où tu as simbi miko elobite ke osa zéro faute. Non, osa kaka net yo, azo li, azo mela, azo la, azo lam kanet yo, osa na ba faiblesse net yo. Tout enfant de Dieu doit savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un se tient sur la chair qu'il n'est pas humain, il est un humain avec des faiblesses. Il faut pour comprendre certaines choses. Peuple de Dieu, comprenez cette vérité. Alléluia. Amen. Yango singeli tout cela, autocritique. Ainsi, nous devons nous auto-critiquer. Auto-examination. Nous devons nous auto-examiner. Sinon, nous quitter. Vous risquerez de vous perdre. Pour se retrouver les sociétés. Tu ne vas plus te retrouver perdu, rétrogradé. Alléluia. Amen. Agé, chapitre 1. Agé, le livre de Agé. Miko sante pelia marusa katalie marusha dea. Igabobo si kepele mede. Makate yate kepelika palatazos. Mezuza brane kalobos. E kalaba yata gaba yeke dege. Thank you, Jesus. Ma shobronia maha. Egele me kezi kebele kedika balagatozos. Yes, partir verset 5. Agé, chapitre 1er, verset 5. Écoute ça, version d'Arbi, verset 5. Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. Oh, yo. Bande là, papa. Agé, chapitre 1er, verset 5e. Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées. Ainsi dit l'Éternel des armées. Hein? Considérez bien vos voies. Verset 6. Vous avez semé beaucoup. Voilà. Et vous rentrez peu. Voilà. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'en avez pas assez. Vous vous vêtez, mais personne n'a chaud. Et celui qui travaille pour des gages, travaille pour les mettre dans une bourse trouée. Oh, yo. Verset 7. Ainsi dit l'Éternel des armées. Oui.
Considérez bien vos voix. Oh! Montez à la montagne et apportez du bois. Attends là-bas seulement. Ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voix. Sala auto-examination yanzelanayo. Procède à l'auto-examination de tes voix. Alobi, voilà pourquoi vous semez beaucoup. Et vous rentrez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas assez. Vous vêtez, mais personne n'a chaud. Et celui qui travaille de garde travaille pour le mettre dans une bus trouée. Alobi, sala nini. Ça la constat. Considère de voir. Considérez vos voix. Version Semeur. Ndeko, batunyon soba considéraka. Nzela na bango. Conduite na bango. Bazonga kana nzela. Amen. Tous ceux qui considèrent leur voix reviennent toujours au droit chemin. Nzela toujours le bas. Et zanzela ya bomoui. Et le chemin dont nous parlons, c'est le chemin de la vie. Il y a toutes sortes de voix. Banzela zebele. Mon coiseau conduit à la mort. Ce qui amène à la mort. Et sa voix. C'est aussi une voix. Et sa nzela. Et sa penzela. Et son mémanal koufa. Ça amène à la mort. Mais mon corps. Mais une autre. Et son mémanal na bomoi. Amène à la vie. Ce qui nous ouvre ça la examination t. Si tu ne t'examines pas, aux autres ça la constate. Tu ne fais pas de constat. Tu vas te retrouver. Osa déjà nzela. Inconsciemment, tu te retrouveras sur le chemin qui amène à la mort. Je ne parle pas de koufa physiquement seulement, non physiquement et spirituellement et éternellement. Et par manque d'examination de soi, tu risquerais de te retrouver dans la voie de la mort physique et spirituelle. Version Semeur, Agé chapitre 1er. Verset 5. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Aux autres angavations. Semeur, papa. Semeur, à partir de verset 5. Ok. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Verset 6. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous semez largement, mais vous le récoltez peu. Hein? Vous mangez, vous buvez, sans être rassasié et sans étancher votre soif. Oh, ma chakata. So, ngai na kanisi ki soki mutu alie, ameli, akozala rassasié, mais il y a kolé à moussousou, ato ozana bongo, ozo lia, mais oza rassasété. Ozana bongo, ozana château, ozana avion, ozana ba moutu ka nyonso, lati, nyonso, ata veste en or. So, kande, ata, o lati ango, okozala chote, et okosepela, et kwezi esengote. Amen. Moi, je pensais que lorsque tu manges, lorsque tu as l'argent que tu manges, tu seras rassasié. Mais la parole de Dieu nous montre que c'est le contraire. Continuez. Le verset 6. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. 7. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Oui. Réfléchissez donc bien à ce que vous avez. Sur examination de soi-même, dans notre mot, réfléchissez. L'examination de soi-même est l'unique pour Kanisa malam. Na kola isaye référence biblique. Ba oyo ba réfléchissaka. Oyo ba kanisaka. Ba zongaka. Ba salaka introspection. Ba zongaka nanzele ya bomoui. Mais ba oyo ba boyiko réfléchir. Ko boyiko sala examination. Ba kinaka nanzele ya koufa. Je te montrerai noir sur blanc dans la parole de Dieu que ceux qui réfléchissent dans leur conduite reviennent dans le droit chemin et ceux qui réfléchissent dans leur conduite. Amen. Desne na yo kokufate. Amen. Okokufa liwa ya éternité. Amen. Au nom de Jésus. Je proclame que tu ne mourras pas, ta destinée ne mourra pas, tu ne mourras pas éternellement. Amen. Agé 1, verset 5, version Lingala. Ok. Siko yongai yawe yanguya nyoso nazali koloba na bino. Bokanisa malambu makambo oyo ezali kokwelela bino. Verset 6. Bozali kokona mingi
kasi bilanga na bino ezali kobota mingi te. Alléluia. Bozali na biloko ya kolia kasi ezali kokoka bino te pona botonda malamu. Alléluia. Bozali na vino kasi ezali kokoka te po bozala na esengo. Aha. Na vino ango pezo pesa esengo te. Omelia gene, omelia, omelia tango, kwiti yose sili, ozongeli, ozo l'exer bamba. Tu prends des liqueurs forts après. Mela gene. Prends ces liqueurs forts à gene. Après kwiti yose sili. Après tout l'ivresse. Ozongeli kaka. C'est terminé, tu reviens dans la même vie. Parce que esengo ezaka kana katia mutu moko. Parce que la joie se retrouve en un homme. Il s'appelle Jésus. C'est Jésus. Dès que communion na yona ye za bien te. Dès que ta communion avec lui n'est pas en bon état. Côté na se ya moyo oyo ekosepelisa yo. Rien sous le soleil ne te paiera. Kendo tuna ba oyo bazana nyonso. Va demander ce qui possède tout. Bazana esengo atamuke te. La plupart d'entre eux n'ont pas de joie totale dans leur cœur. Voilà. Continue. Bozali na vinu kasi ezali kokoka te po bozala na esengo. Aha. Bozali na bilamba kasi ezali kokoka te po na ebatela bino na malili. Pe lifuta oyo mosali azwaka ezali kosila lokola atie yango na libenga oyo ezali na masi. C'est ce qui se passe textuellement na vie abatu ebele. Omona papa nazo simba bongo me nazo sale loko mangolonga na ngote. Omona bongo ye ekeika kaboye ekeika dengezo kendezo sila nazo comprendre. C'est ce qui arrive dans la plupart des peuples de Dieu. Il touche de l'argent mais il sait pas comment ça disparaît. Alobi, examinez-vous vos voix. Mitala bo mitala banzela na. Considérez vos voix. Botala malama la banzela na bino. Alléluia. Amen. So ndeko bien-aimé et lokotozo loboye. Ce dont nous parlons là. Eza mutuya na tango ya suka oyo. Et très important cette. Eza mutuma mutuya na ngonga tokomi. En ce temps où nous sommes. Ba ras de vipe ba koti na mokili. Les races de vipers ont. Ba telem si mutu. Ils sont sortis du monde. Pona kokosa ordre divin ya mokonzi na bango oyo Yesu alobi na Jean 10:10. Il est venu pour voler, détruire et tuer. Pour accomplir la mission de leur maître, c'est de voler, tuer et égorger. Yesuka suka eza aboma. Lui, sa finalité, c'est de tuer. Voler, détruire et tuer. Brosande keli mahura santeli amahose kedi alabasha. Total exemple. Regardons un autre exemple. Dans Luc chapitre 15, il y a enfant prodige. Dans Luc 15, l'enfant prodigue, l'histoire d'enfant prodigue. Shubra zege zege lige bedi gabada dodobo soko dobo dobo. Mengeli na munda dama dura ba shanteli ama rusha bada ya tobo koshike bedige. Brane ke zuza bradaga ya tobo koshike bedige. Celui qui parle à l'âne n'est pas pour les hommes, mais à Dieu, il dit des choses mystérieuses. Amen. Aye ke debe 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 debe. Na kolingozonga sima pona bon réflexion pona ba bon compréhension pour ba tumsusu ba mesalina biloba zambete. Alléluia. A partir de verset 12 et kosunga biso. Ou bien verset 11 carrément. Verset 11, Luc chapitre 15 à partir du 11e verset. Nous lisons la version Darby. Et il dit: un homme avait deux fils, verset 12. Et le plus jeune d'entre eux dit à son père: Père, donne-moi la part du bien qui me revient. Et il leur partagea son bien. Verset 13. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné. Là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays-là. Et il commença d'être dans le besoin. Verset 15. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là. Celui-ci l'envoyait dans ses champs pour paître ses troupeaux. Verset 16. Et
il désirait de remplir son ventre par des douces que le pourceau mangeait. Moi, na oyo avanina tata. Yesu, omoni Jésus parle. Oyebi ke ba koko na biso biso bayidu. Ba koko na misende ba betaka oyo tubengi masese. Ce sont nos ancêtres. Na français balobi parabole. Des paraboles de Matthieu. Na anglais ba benga o parables. Ba étranger wana ba yebi eloko wana. Tipona like say okay. Yesu na ba yeko le na ye. Nawa na se na solo selon monsieur ko kende exaggeration ya muli moto yebi me baza batu mwindu so azo beta masese Jésus mwana vandina tata après alobi pezangai heritage na ngana kende atikita tata tuzolo basiko zambe tata c'est Dieu le père dont parlons akei il est parti. Les choses se sont retournées. Il a dépensé héritage. Il a dépensé tout. Et si lui, tout est fini. A commis, il voulait même manger la nourriture de porc, mais il ne pouvait pas. Mais à un moment, jusqu'à un moment, il s'est mis à réfléchir. Il a constat. Il a fait un constat. Aïe ko sa la examination de soi-même. S'est examiné lui-même. A sa li introspection. Il est rentré en lui-même. Tata. Le père. Même beaucoup. Nyon so yaye ezayaye. Tout ce qui est à lui est à moi. Ipa na ye. Moi na mokote ala la kanzala. Chez lui, aucun de mes frères manque de quoi manger. Makambo yo na tiki nzela ya tata na tiki nzela na ye na tiki principe na ye na kei. Je suis parti faire ma na regarde où je suis. Na sala nini. Que dois-je faire? Tata. Je dois revenir au Père. A considéré. Il a considéré. A sali constat. Il a constaté. Ya état d'Azali. Conduite na ye. Ye moko a moni ke zamabe. Il a trouvé que c'était mal. A zongeli tata. Puis il revint à son père et à la vie. Mais tant qu'a kimi paya tata. Quand il est revenu au père. Abaniko kende na nzela ya kufa. Avant de revenir au père, il allait à la mort. Olongwe ya kolia biloko ya mutu. Batu balia ka ozana ngoli zuzu komi kolia biloko ya bangu. Olingole ya biloko ya bangulu. Suka suka kozari. Okufi. Tu avais tout, maintenant tu es dépourvu de tout. Qu'est-ce que tu vas en faire? Parabole o Yesu abeti. C'est parabole exprime notre relation avec Dieu le Père. Que tango yozo kozonga, à chaque fois que tu reviendras, akoyamba yo. Il aura toujours ses mains ouvertes pour te recevoir. Mais pour zonga, mais pour revenir, et bandakara nini, ça commence par quoi? Examination de soi-même. L'examination de soi-même. Constat et conduite na yo. Est-ce que nazo tambula malama? Est-ce que je me conduis? Est-ce que na bungi nzela? Est-ce que je suis perdu? Ebele babungi libela kabwe parce que bayepi principe ya examination de soi-même te. Beaucoup sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas les principes d'examination de soi-même. Continue. Verset 16, Luc chapitre 15. Et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient. C'est pas possible. Et personne ne lui donnait rien. Verset 17. Et étant revenu à lui-même. Il dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance? Oui. Et moi, je péris ici de faim. Oui. Verset 18. Je me lèverai et je m'en irai vers mon père. Oui. Et je lui dirai, Père, je péchais contre les ciels et devant toi. Amen. Omoni. Tu as vu? Examine. Tant qu'on se réfléchit, vas-y, on se soit le bien ou bien. Il a réfléchi. Une autre version dit qu'il a réfléchi. Et à l'obi na zongela tata. Et il s'est dit de retourner auprès du père. Et tango a zongeli tata. Et quand il est revenu. Oh ma sombre zengeli ma mouchalada. Vie n'a échangé. Na français courant n'a pas exalobi. Alors il s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à réfléchir sur sa situation et s'est dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il n'est leur en feu. Tandis que moi ici, je meurs de faim. Asali nini.
est revenu auprès du Père. Ndeko, ce que je dis qui aussi au Bungizela, Tozonga. Bien aimé, si tu comprends que tu es perdu, reviens au Père. Akoyambayo. Il va t'accueillir. Osa tellement précieuse. Tu es tellement précieux. Il est mort à la croix juste pour toi. Il a coulé son sang pour toi. Il a été flagellé pour toi. Il a souffert pour toi. Finalement, il a été tué pour toi et moi. Alléluia. Amen. Luc chapitre 15, nous lisons à partir de verset 16 la version parole vivante. Merci. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les causes de courroux que mangeaient les bêtes. Mais personne ne lui en donnait. Oh, non. Verset 17. Alors, il fait un retour sur lui-même. Non, non. Et se met à réfléchir à sa situation. Il fait un retour sur lui-même. Sur lui. Lui-même. Introspection. Et se met à réfléchir à sa situation. Il se met à réfléchir à sa situation. Amen. Alléluia. Amen. Papa, nous lisons psaume verset 139, verset 20, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. 24. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut tout y ébaquer. Nous devons savoir. Pour que nous ne perdions pas la voie. Et Seigneur, tout cela, examination. Auto-examination. Autocritique. L'autocritique. Alléluia. Amen. Tant que l'enfant prodige a sali. Lorsque l'enfant prodigue a fait ça, Azongeli Tata. Il est revenu auprès du Père. Alléluia. Amen. Azongeli Tata. Il est revenu auprès du Père. Alors le fils dit à son père, Amen. Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez les plus beaux vêtements et habillez mon fils. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds. Amenez le vœu qu'on a fait grossir et tuez-le. Faites bandit, Tata Ayambie. La fête commence, le père a reçu son fils qui était perdu. Mais comment l'enfant Azongeli Tata et Bandina Nini, examination. Qu'est-ce qui a déclenché le retour de l'enfant? Autocritique. C'est l'examination, l'autocritique. Introspection. L'introspection. Réflexion. Sa réflexion. A considéré le lengi à vivre. Il a considéré sa conduite naïe. Sa conduite. A Monique Asia Bungi. Il a trouvé qu'il était déjà perdu. Il faut Azonga. Il devait revenir. N'assemble Yambango lui à Kosonga. Je prie que tu reçois à chaque instant Zobunga Yambango lui à Kosonga. Na Kombo na Yesu Masia. C'est très important. Alléluia. Amen. Batu Bele. Bakenda et Belé Bakokende Lissou. Plusieurs sont perdus. Surtout Nangonga Tokomi. Plusieurs sont perdus, plusieurs se perdront. Batukutu Bakofinga Zambe Neti Bazaba Bakofinga Zambe Peuza Wapi. Amen. Pour Anin Makamboy, oh Zambe à lobby, mon peuple sont détruits. Asia lobby, yon soana na makoum. Tosi, biso yotosa choke, toyebi mak, nakoko yza makamboyon se kosalima. Mais parfois, na kanyemu no. To yebi place, makam. Na yebi place mo kilezo kende. Amen. Les gens seront même en train d'insulter Dieu. Dieu nous a révélé ces choses depuis longtemps. Nous savons où va le monde. Ma nanga mo kwa ibisi mobile ni alobi. A ibisa da di pe alobati. Soki abani kolo aboye tozo banga. Soki asia alobi. Ça c'est parole prophétique. Azo banga. Pa yebi ke yon so wana eko kokisma. Azo. Qu'est-ce qu'on va faire? Yo attend que mon Zambe faut à la naissance parce que ton rédempteur arrive. Amen. La joie doit être l'expression des enfants de Dieu parce que nous savons que notre rédempteur arrive à Zoya Kalate. Alléluia. Amen. Alléluia.
voilà. Ne vont pas avoir peur. Voilà. Somme, chapitre 119. Somme 119. So, Ndekunangai. Bien-aimé. Considérez vos voix. Tala malamu nzela na yo. Chaque fois que vous sonatez, n'oublie pas chaque fois. Il faut m'y poser question. Mets-toi sur une chaise et pose-toi des questions. Est-ce que Nazanano. Suis-je encore Nazela? Sur la voie de Dieu? Est-ce que vie de prière nangai? Ma vie de prière et kufi ou bien zana? Morte ou bien est-ce que vie de communion nangai? Est-ce que ma communion ezo mata ou bien ezaya kufa? La parole de Dieu augmente ou bien meurt? Toutes ces choses. Ma communion sera réponse au quoi? La réponse que tu auras. Faites quelque chose, s'il te plaît, il faut tout temps avancer. Faites quelque chose. Ça là, alors après savoir, au moins avant pour dire, à réfléchir, à salir constat. Salinini. Il a fait quelque chose. Mais si, il a fait quelque chose. Yes. La femme prodigue, après avoir examiné sa conduite, il a fait quelque chose, il a fait un demi-tour en arrière. Voilà. La seule chose qui va nous sauver à ce moment, message est très important dans le Congo. Ce message est très important en ce moment, c'est ce qui va nous sauver en ce temps de la fin. Amen. Parce que nous sommes des humains. Même Jésus a été tenté. À chaque instant, il est écrit Ezongisie. Et la parole de Dieu l'a ramené à réfléchir l'ikolo ya liloba. Sa réflexion était basée sur la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'était ça sa réponse. La base de sa réflexion. Chapitre 119, aux autres, il a fait quelque chose. Quelle version ça? Pasteur Message. Ok, t'as la bonne angle avant tout qu'il dit. Dans ce pays, dans le monde. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Oui. Version Message. Testez-vous pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Testez-vous, ça la teste. Teste-toi. Tu sais comment on fait les tests des choses? Ceux qui ont le sida, les gouttes épaisses. Ou bien aux alangotés. Si tu as le sida, tu es belle, tu as banga, tu as la teste. Parce qu'il y a des conduits. Mina banga, kufu, mina lenga. Allez, écoute, tu as la teste. Parce qu'il y a des tambours. Plusieurs sont là. Les visions de ça, chaque trois, ma contrôle général. Pour n'aille pas être dame, y'a senti Naza Kunate. Ils ont peur de faire les gouttes de peste pour savoir s'ils ont le sida ou bien la malaria ou quoi que ce soit. Alléluia. Abangaka. Ils ont peur. Mina Lengangufu. Ils tremblent parce qu'ils connaissent la conduite. Ok. Testez-vous pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Ne dérivez pas en prenant tout pour garantie. Faites des contrôles réguliers. Faites des contrôles réguliers. Vous avez besoin de preuves de première main, pas de simples prétendus que Jésus-Christ est ton. Dans vous. Testez-les. Testez-les. Si vous échouez au test, faites quelque chose. Conclusion. Les anini, ceux qui ont échoué au test, au sali test, au monique, aux anacida, il faut salanini. Fais quelque chose. Les retours au bureau. Au baniko au mela, qui s'y voit. Ça n'a choix, faut t'as faire quelque chose. Et même chose, ce que vous dites, vie spirituelle, nayo. Amen. Et tengama, vous êtes dérouté. Alors, bien sûr, nini. Fais quelque chose. La parole de Dieu nous montre comme celui qui fait les tests de sida et qui commencera à prendre des antirétroviraux. Toi aussi, prends la parole de Dieu et fais quelque chose. Alléluia. On est droit chemin. Faites quelque chose. Ça là est loco, moko. Papa, togotanga na suka. Avant, on a scellé ça. Dans quelques minutes, au Kotang Langai, il y a un message à clôture. Amen. Parole à clôture. Alléluia. Somme chapitre 119, verset 59. Noki noki. Somme chapitre 119, verset 59. Voilà. Version Darby. J'ai pensé à mes voix. Voilà. J'ai pensé à mes voix. Et j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages. Voilà. J'ai pensé à mes voix.
na tali na sali constat na réfléchi lo lenge na zo tambola et tamboli na ngai et j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages vers tes par ta parole tes paroles parce que témoignage ya liloba ya zambe le témoignage la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Psaume 119 verset 59 version SEMEUR. Merci. J'ai réfléchi à ma conduite et j'ai réglé mes pas sur tes commandements. Ok, ce qui est la parole de Dieu. Amen. J'ai réfléchi à ma conduite et j'ai réglé mes pas sur tes commandements. C'est-à-dire, je suis revenu à la parole. Ma zengle me kozombro zandege digaba. Tango na considéré conduite nanga. Na réfléchi lo lenge na zota omoni ndeko mutute kaka yo moko. C'est toi même qui va la conscience na yo. Avec ta conscience. Et na zongeli liloba. Et je suis retourné à la parole. Alléluia. Amen. Pour na ko clôturer batu nyonso bazongaka. Tous ceux qui reviennent dans leur bako vivre bako kufate. Ils ne mourront point, ils vivront pour avoir revenu à la voix. Tous clôturé wana. Ézéchiel 18. Dans Ézéchiel chapitre 18. Sondeko zongela liloba. Reviennent à la parole de Dieu. Oh yeah, zongela reviennent les retours à la parole. Ézéchiel 18 verset 27 et 28. Ézéchiel 18, 27, 28. Mosanteli kapala tozo zobo. Ézéchiel chapitre 18, verset 27 yes, et 28. Yes. Nous lisons la version Darby. Et tout le méchant se détournera de sa méchanceté qu'il aura commise et qu'il pratiquera le jugement et la justice. Celui-là fera vivre son âme. Oh, 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 bandela papa. Verset 27. Ézéchiel chapitre 18, verset 27. Oui. Et tout le méchant se détournera de sa méchanceté qu'il aura commise, et qu'il pratiquera le jugement et la justice, celui-là fera vivre son âme. Alléluia. Celui-là fera vivre son âme. Version SEMEUR. Et si le méchant renonce à la méchanceté avec laquelle il a agi, pour vivre désormais dans la droiture et selon la justice, il sauvera sa vie. Il sauvera sa vie. 28. S'il considère tous les péchés qu'il a commis et s'en tout détourné, il vivra, il ne mourra pas. Il vivra, il ne mourra pas. Version Lingala Lelo. Et l'autre kozongi la yo, kozongi sa yo nanzele abomoi, eza réflexion, examination, constat, introspection. Ce qui te ramènera sur le droit chemin, c'est le constat, c'est la considération de tes voies. Nous sommes tous des humains. Toko kiko sa la erreur. Mais bala la kana erote. Amen. Nous sommes humains, nous ne venons pas du ciel, nous ne sommes pas des anges, mais il n'est pas dormir, demeurer dans l'erreur, dans le péché. C'est un ennemi mortel. Yes. Suka suka ebomaka. Finalement, il va te tuer. Na tuni onde konanga. Je te pose la question, bien aimé. Dengezo sala constat. Tel que tu constates ta vie. Réponse nini ozozo na mutema na. Quelle est la réponse que ton cœur, ton âme te donne? Est-ce positif ou négatif? Est-ce une réponse positive si ou négative? Si c'est positif, bravo. Si c'est positif, gloire si à Dieu. Si c'est négatif, si c'est négatif, fais quelque chose. Fais quelque chose. Salam avant que ça soit trop tard. Avant que tu meurs ou que Jésus revienne. Fais quelque chose. Salam et loco. Ça c'est le message du temps. Yango bende maté atango otozali. L'enfer est élémi. L'enfer s'est levé en cette heure de temps. Ma semence y a vipère, ma télémi. Les fils de serpents. Coûte que coûte. Ils veulent coûte que coûte. Ma légué l'union so et là la bakoufa. Amener le monde entier à la mort. Ma zo sala nyon so. Il n'amena et bandi le loté depuis des années. Ça commençait pas aujourd'hui depuis des siècles. Ma guerre.
par les guerres, les batailles, les épidémies, les faims, les maladies. Ils sont en train de se faire. Selon biso to benga ngwa nzoka nde za koro nyoso bazo bimia yoto kakapo batuba église ozo lala église tu dors encore malgré tout ce qui célèbre contre toi ma sobre ni kapala tasus. Alléluia. Amen. Considérez vos voix. Considérons nos voix. Alors, si il considère tout le péché qu'il a commis et s'en détourne, il vivra, il ne meurt. S'il considère ses voies, il vivra, il ne mourra pas. Yambangolo. Reçois cette grâce. Yambangolo. Reçois cette grâce. Il y a auto-examination. C'est l'auto-examination. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Yambangolo. Reçois cette enfant pour dire à Yambaki. T'es l'enfant pour dire. A sali auto-examination. Il s'est examiné. A zongeli tata. Il est revenu au Père. Oli akufa. Au lieu de mourir. A zongi na bongo. Il a vécu. Na sambeli yo pe okokufati. Toi et moi, nous ne mourrons pas. Liwa éterne koza la partage na yo nangaiti. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Yangu ezo senga biso. Ça nous demande ainsi. To sala. Auto-examination chaque ça fois. Ça nous demande de faire une auto-examination de soi tous les est-ce jours. Est-ce que clôturer? Nous lisons 2 Corinthiens 13, chapitre 13, au verset 5. Verset 5. La version message traduite. Yes. Testez-vous pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Ne dérivez pas en prenant tout pour garantie. Faites des contrôles réguliers. Faites des contrôles réguliers. Oyoki ngaite na commune ko na sepeli nango. Ayebi que nous sommes des êtres humains. Ce qui est soit attenté beaucoup yo nangai. Mais alobini ni yoka conseil. Faites des contrôles réguliers. C'est-à-dire régulièrement au sali constant. D'ailleurs. Est-ce que tu fais des constats. Est-ce que vie à communion, Isali? Est-ce que tu pries toujours? Est-ce que tu mènes une vie de communion? Est-ce que tu mènes une vie de prière? Est-ce que une vie de crainte de Dieu? Quand tu fais comme ça, réponse est qu'au la réponse que tu as t'aidera à revenir sur le droit. C'est simple. C'est facile. Mais il te faut te mettre et t'examiner. Fais des contrôles réguliers. Continue. Faites des contrôles réguliers. Vous avez besoin de preuves de première main. Pas des simples prétendus que Jésus-Christ est en vous. Testez-les. Si vous échouez au test, faites quelque chose. Là où tu me suis, j'aimerais que tu fermes tes yeux pour considérer. Et que tu considères. Oh, réfléchis. Et que tu réfléchisses. Conduite nayo. Sur ta conduite. Oh, ça l'examination. Pendant ces instants, examine-toi. Autocritique. Toi. Autocritique. Yo moko. Entre yo naye. Avec Dieu maintenant. Nazo singa yo na minute oyo. Maintenant. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Osa moi si alibala. Tu es femme mariée. Mais au komiko dekone. Mais tu commences à tricher ton mari. Osa. Papa, tu es un père. Déconner. Tu triches ta femme avec ta secrétaire. Regarde ta vie. Tu vois que ta vie de prière est morte. Fais quelque chose. Aussi longtemps que vous en souffle. Pendant que tu respires encore. Espérance, espoir. Il y a encore l'espoir aussi longtemps que tu vis pour changer. Jésus est venu pour te donner la vie. C'est le diable qui est venu te donner la mort. Satan ande mon père na liwa. Yangoze bwana lobi. Voilà pourquoi cette chanson dit aye na mokili. Il est venu dans le monde kopesa biso pour nous donner la vie. Aye kopesa biso kufate. Non, pas nous donner la mort. Dengozo
on se réfléchit. Pendant que tu es en train de réfléchir dans ton cœur, Yambangolou, Yar, repentance. Reçois la grâce de la repentance. Comme enfant prodige. Le cola, mon aoya, Makilibana. Asalaki. Et que mon Dieu te bénisse. Zamelanga Pambolayo. Yesu, aye, kopesa, bomo. Yesu, aye. Alléluia. Awanase. Yesu aye kopesa pomo. Yesu mobi kisi. Yesu aye kopesa pomo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa. Promo Yesu mobi kisi Yesu aye Alleluia Yesu aye Yesu aye kopesa promo Yesu mobi kisi sukabiso Yesu aye Kopesa bomoi, Yesu aye, awa ose, Yesu aye, kopesa bomoi, Yesu mobi kisi, Yesu aye, Yesu aye. Yesu aye kopesa bomo Yesu mobi kisi yemba Yesu aye kopesa bomo oui Yesu aye
Notre Sauveur. Notre vie. Et longue en abysso. Notre victoire. Et sengo en abysso. Notre joie. Kimi en abysso. Notre paix. En toi. Nous vivons. Nayo dozobika. En toi. Nayo. Nous mouvons. Dozo ningana. En toi. Nayo. Nous avons notre aide. Doza na bomoto na biso nyonso. Nabele lio papa. Je t'invoque. Sunga biso na tango oyo yasuka. Aide-nous en cette fin de temps. Tobon ki sa godi manabiso. Que nous ne perdions pas notre foi. Tobon ki sa bon lingo na biso po na yote. Que nous ne perdions pas notre amour pour toi. Toyambingolo. Nous recevons la grâce. Toyambi makasi. La force. Merci papa. Matondo tata. Merci. Matondo. Toute la gloire revient à toi seul. Au nom de Jésus. Na komo na Yesu Christ. Bambolande koyon swazo la na biso na minute. Bénis tous ceux qui nous suivent en cet instant. Atozobela na nzoto. Même si tu es malade dans ton corps. Na communiquer au bon moi. Je te communique la vie. Oh yes. Amen. Je te communique la vie. C'est lui qui a dit, je suis la vie, la vérité, le chemin. Réside à moi. Habite en moi. Réside à tous ceux qui croient en lui. Il habite en tous ceux qui croient en lui. Et parce que je sais que je suis son temple. Et qu'il réside à moi. Je tends mes mains sur l'écran. Et je te communique la vie. Et na tinde liyo bomoy. Yo oyo osa désespéré. Toi qui es désespéré. Yamba bomoy. Reçois la vie. Yamba bomoy. Reçois la vie. Maladie. La maladie. Yo sezo mimana kufa. Tout ce qui amène à la mort. Et lis-moi la vie na yo. Que cela disparaisse de ta vie. Kiste wana okoluka yango okomona yango lisusu. Ce kiste là sur ton corps, tu le retrouveras plus. Ba pota wana na partie intime na yo. Okoluka yango ekauki et lis-moi. Ces inflammations et ces plaies sur ta partie intime, tu les retrouveras plus. Merci Saint-Esprit. Ma donne au mon centre. Oh yes. Tension na yo zo mata. Cette hypertension. Parce que mon thème en avait troublé. Parce que tu es troublé dans ton cœur. Tu ne le retrouveras plus. Merci Seigneur Jésus. Attends Jésus Christ. Même si je ne citais pas ton problème, tel que tu touches mes mains sur l'écran, impose-toi les mains partout où tu te sens mal et tu es guéri. Jésus t'a sauvé, Jésus t'a guéri, Jésus t'a libéré, Jésus Christ t'a libéré. C'est ça sa raison pour laquelle il était venu, pour te donner la vie. Reçois sa vie, reçois sa force. Lève-toi et marche. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Situation na yo est changée. Ta situation a basculé. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Merci papa. Ma tante, tata. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Christ. Nous avons ainsi prié. Amina. Que mon Dieu vous bénisse. Laisse-moi na pesa communiquer. J'aimerais donner un communiqué. À propos ya cute nabiso. Pour notre culte le 16 du 16 tozana deux cultes. Le dimanche 16 nous avons deux cultes à cause il y a respect il y a distanciation par rapport au respect des règles imposées. Culte ya liboso est à 6h du matin. Le premier culte ça commence à 6h à 8h30 jusqu'à 8h30 et culte ya mibale et le second culte est à 9h juste à 11h30 à 11h30. So, alors, ce qui est na culte ya liboso. Si tu viens au premier culte, oko ki ko participete na culte ya mibale. Tu n'as pas le droit de participer au deuxième culte. Parce que oyebi ke tozana loi ya distanciation. Parce que nous devons respecter la loi de distanciation. Et il faut topé sa baninga mususu privilège. Amen. Opportunité bango pe ba côté.
kota basambela. Nous devons aussi donner privilège aux autres comme toi au premier culte de prier au deuxième culte. So oyo ako participer na premier culte soki oza mwana nzambe et olingi malédiction te. Dès que culte ya liboso esili wende mzuri na ndako na yo. Tika baninga mususu bakota. Oza na droit te ato oza serviteur, je dis bien. Oza la chorale, protocole, oza la nini, chef nabino a organisé, oza na droit de participer na docute. Si tu es vraiment enfant de Dieu et que tu aimes notre église, tu n'as pas droit à participer à deux cultes. Que tu sois serviteur ou fidèle, tu commences le premier culte, tu t'en vas. Parce que nous sommes nombreuses et on doit appliquer la sagesse pour que batunyoso, bapambolami, bayena culte. Parce que nous sommes nombreux et nous avons divisé les cultes en deux pour que tout le monde ait la capacité de faire. Ce premier culte le 16. Le dimanche 16, le premier culte. Et ça à 6h. 6h du matin. Et deuxième culte, et c'est à 9h. À 9h. Juste. Mercredi, c'est normal à 10h. Tout mercredi, c'est à 10h. On a un culte. Un culte. Vendredi, nous avons deux cultes. Le vendredi, on a deux cultes. 16h30. De 16h30 à 18h. À 18h, juste. 18h30. De 18h30 à 20h. Deuxième culte à 20h. Jusqu'à 20h. Pour notre maman, nous avons besoin de nous salater. S'il vous plaît, nous avons besoin de nous salater. Il y a 16h30. Comme ça, nous avons besoin de nous salater. 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 18h. Pour nos mamans qui restent souvent à la maison ou bien ils font certaines activités sont dans les quartiers, venez au culte de 16h30 pour laisser ceux qui rentrent. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus. N'oublie pas. Toza na réunion yaba service yon sur l'église le 15. Nous avons réunion pour tout ouvrier samedi 15. Pour toza la. Organiser bien pour la culte à le 16. Pour savoir comment nous organiser pour le 16. Que Dieu vous bénisse. Le samedi à 17h. À bientôt. Je vous aime tous. Ciao. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. Pour la battu Oyo Batindaka, c'est mans kouta libanda yamboka, ba dimba, action de grâce, tout ça au fond. S'il vous plaît, tozo lobake combo échangé ezali soute papa Fulgence Ndula azana biso mais il est très fort yango ana to pesibino combo mususu oyoboko balotinda eza Mudiai Shibala Claude. Mudiai Shibala Claude. Désormais envoyé des semences par le nom Mudiai Shibala Claude. Eko koma na écran wana na komo na ende boko tinda yonso parce que soki otini na kombo a papa Fulgence il est en repos na minute otozoloba moins akende ezate que Dieu vous bénisse pour la bonne compréhension. Le temps de témoignage. Petela Yesu maboko makasi. Allô papa Dayo. Moi c'est la sœur vainqueur depuis les États-Unis. Vraiment papa Nayi kupambola Nzambe o aselinga et na famille nanga vraiment. Précisément Nayi kupambola Nzambe na o aseli maman nanga azan Europe. Azaki santé zaki ko déranger était au nom de Jésus. Mais akina ki na émergence non émergence ba traité ki azonga ki na inda ko akoma ki pe bien. Mais na butu nango ndi ba ko yebsepso ki non apika ki crise. Donc sucre mata ki makasi sucre mata ki makasi au moins du colo et pourtant abela ka sécurité. Mais sucre mata ki makasi et bien qu'il y ait ambulance parce que déjà a perdu connaissance et ambulance ya qui joue qui est et à qui n'a qui n'a l'hôpital donc on a non qui s'envoie et tout bas qui est bien à Kolanda mercredi passé la bande Kolanda école de guérison tant que comme une place où le bien abysso que non d'union ce au hasard malade à simba du place où y est à zoyo capace n'a pas de la loupe qui nous a mis. Nga na telemi
comme point de contact ya maman na ngai bisika za hôpital na kata kuma dans ceux qui na soins intensifs na kata kuma à côté qui kuma parce que dans état na e za ki vraiment sous malamte et nanzi sa ma ki nanzi la ya prière na yo que ningo lobi que simba bisiko zo yo kapasi nga pe na simba ki na place na simba ki ka point de contact na ba ki nzambi na teni mi apo na mama na ngai ndenge musa na zo sambela donc na mi mona ki na teni mi apo na mama na ngai et ton aussi su ko prier au bando le bana terme sur le dieu de la différence. Tant aussi ce qu'on priait pour maudissa qui esprit de mort, au maudissa qui esprit à malade, au maudissa qui est nanzima qui nanzela ya prière wana, que maman nana bisika zali, a joué guérison, et lobi nango ba ybisinga ke a fongoli misu, a komi kotala, a komi koloba mouke mouke, et lelo nazo loba nan témoignage ou na tindi yango na tan ou na tindi do tu ko sola na ye abimi na kati ya sal wana ya soins intensifs ba pese chambre msusu parce que déjà azo loba bien toujours sola na ye azo loba bien vraiment na pamboli nzambi na yo papa na pamboli yo nzambi na yo na ou ya saleli mama na nga vraiment yango na lobi non na ko garder témoignage ou te fo na kousa diable soni yango na eko tato la monnaie na nzambi na onza baseli mama na nga depuis Europe nzambi wana pambola yo dadi vraiment na musala ozo sala nzambi a pambola yo nzamba bakisolo ba jour nzambi a pambola famille na yo nzamba pambola nyonso ya yo vraiment papa tolingio mingi papa nzambi a protégé yo a continué na kosela su ya minene au nom de Jésus donc to sangi maloba ko loba nyonso to pamboli yo ka papa tolingio mingi vraiment motema na nga mopimba na lobi papa tolingio mingi God bless you so much dad. Petela Yesu maboko makasi. Tikana prophétise na vina. Na sakola na boya. Bista balinga bazo kufa ko kufa te. Eloko epomi tata na yo ko poma yote. Eloko epomi mama ko poma yote. Ya ye. Les choux et chèvre. Bon pour vous. Que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie, tu as commencé à dominer sur cette terre. Tu as qui bat la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable, na commission invisible? Na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya tenye wana.